m'a fait un petit casting pas longtemps. On m'a choisi et le soir même, je me retrouve dans un carrosse, je fais un numéro sur un vélo. Je n'avais rien prévu le matin et le soir même, j'étais au milieu des 200 figurants environ avec le spectacle comme si j'avais répété pendant un an. Suite à une offre de bénévolat, si on veut bien dire, pour l'accueil du public. Ils recherchaient du personnel pour ça. Et j'ai tout de suite pensé que ça allait m'intéresser et j'y suis toujours. Depuis ma tendre enfance, je suis à la fois musicien, chanteur, j'ai été dans différents groupes de théâtre. Jeune marié, j'avais créé avec ma femme Yvette un groupe théâtral. J'aime le théâtre, j'aime le spectacle, j'aime les gens. C'est l'ambiance déjà. Le metteur en scène hein, qui a su quand même nous dynamiser, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel à ce niveau-là. C'était quelque chose de très valorisant, ça nous a permis beaucoup de contacts avec des gens qu'on ne connaissait pas. Je continue un petit peu en dehors de Lux Salina, ne serait-ce que par faire le Père Noël à l'intérieur de la saline. J'adore hein, des petits compléments comme ça, ça me va très bien. Et je viens presque toutes les semaines, toute l'année. C'est mon univers de paix et de rencontres. J'entretiens un lien intime. Je suis beaucoup, beaucoup dans la saline.